Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis conseiller service client chez Boulanger à Creil-Saint-Maximin. Nous allons voir aujourd'hui comment changer les cartouches d'encre sur deux imprimantes différentes, une imprimante où vous avez un écran et une autre où vous n'en avez pas. Allez, c'est parti. Première étape, on va juste soulever le capot. Hop, il va se bloquer à ce niveau-là. Donc on voit que les cartouches d'encre sont ici, mais elles ne sont pas encore accessibles. Pour ce faire, vous allez appuyer sur ce bouton pendant une dizaine de secondes. Le chariot va se décaler. Pour pouvoir retirer la cartouche, vous appuyez sur le petit clips du fond et vous tirez. Après, vous n'avez plus qu'à réinstaller les nouvelles cartouches. Hop, on entend le petit clips, c'est que la cartouche est bien mise. On voit que la celle-ci n'est pas bien mise et voilà. Lorsque c'est bon, on referme le couvercle, on appuie une fois dessus et l'imprimante est de nouveau prête pour imprimer. Donc pour ce modèle d'imprimante-là, allumez l'appareil puis ouvrez le capot. Les cartouches vont se décaler ici, vous soulevez. Vous retirez et vous n'avez plus qu'à remplacer par les nouvelles. Hop, et toujours en faisant bien attention d'entendre bien le clic. Hop, on referme le capot. L'imprimante est prête à imprimer. Petit détail très important, n'oubliez pas de retirer la languette que vous avez là avant d'insérer la cartouche. Et après, vous pouvez insérer votre cartouche une fois que la languette est retirée. Pareil pour les cartouches HP, vous avez une languette à ce niveau-là. Pensez bien à la retirer avant d'insérer la cartouche, sinon cela ne fonctionnera pas, il abîmera votre imprimante. Et n'oubliez pas que vous pouvez venir recharger vos cartouches d'encre directement en magasin grâce à notre barre à encre